évidemment, elle renforce évidemment la confiance en soi. Elle permet de voir, je veux dire, de voir l'avenir avec optimisme. Donc, on propose une application Swapcard pour l'événement. C'est une application de networking. En fait, ça va permettre à tous les participants de se connecter l'un avec les autres et puis d'échanger, de faire du business. Il est important pour nous, en tout cas, périodiquement de nous retrouver. Je dois donc saluer encore une fois les initiateurs de cette rencontre-là et particulièrement M. Alain Gondio. C'est une très belle initiative à perpétuer justement où on permet de côtoyer ces personnes modèles et d'entendre tout ce qu'ils ont à nous dire parce qu'on a besoin de ça justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci d'être là parmi nous. Salut, et en principe, désolé, c'est trop tard, vous êtes déjà dans la salle. Un excellent week-end. Top, c'est parti. Grâce à quoi? Grâce à une activité. Un petit bout de papier, c'est bon? Michel? Super. Et... je vais juste demander dans la salle. Je pense que vous avez des petits papiers et dessus vous avez des métiers. Ah bon, c'est un métier donc. Pour moi. Super. Allez. De ce rassemblement, nous avons tiré tout simplement qu'on ne peut rien construire seul. Si on est là, c'est pour faire connaissance, pour se connaître, pour apprendre à vivre ensemble. Et c'est ce qu'on demande dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et puis, on a essayé de construire une maison qu'on a nommée La Nature. Un plombier. Très bien. Un menuisier. Ok. Non, ça c'est le bouc qui a gagné. En tout cas, le billet d'avion, il n'y a plus de tombola. On va appeler le speaker du jour dans quelques instants. Le slogan de Meet & Greet Africa, c'est Osons rêver grand. Osons rêver grand. Super. Bonsoir. Très très content de vous voir. La salle est comble. Je suis très très content. Tout échec qui se présente à vous, vous devez avoir le courage de vous relever. Et parce que les échecs, toute votre vie, vous les connaîtrez. Lorsque vous allez commencer à formaliser votre entreprise, vous allez être dans la méthode, vous allez travailler avec rigueur. Et je dis encore une fois, n'ayez pas peur. Tout le monde, les gens qui ont créé leur entreprise, qui se sont formalisés, ils n'ont pas été bouffés par les impôts. Il faut aller créer ta société, il y en a pour tous les prix. Je dis encourage. C'est très simple. Je lui donne 1 milliard pour calmer son goût. Imagine, je reste avec mon bien. Il va me remercier. Pour nous, les créateurs de start-up, quel serait le meilleur conseil pour vous? Quel est votre regard sur le secteur immobilier en Côte d'Ivoire? Moi, oui, je salue la présence également de Marie-Christine Degré. Tout le monde dans cette salle veut rêver grand. Mais c'est le oser là qui est difficile. Il faut oser. Et puis, je pense que ça va marcher. Belle conférence, des beaux échanges, une belle organisation. Je suis très satisfaite. J'ai pu avoir de nouveaux contacts et j'ai appris beaucoup de choses.